Il y a un créateur qui te surveille. Je vois que tu balances les mots. Si tu imagines la gravité de se jouer, de se la jouer, de se la péter savant et de prononcer des interprétations que même les idolâtres de l'époque n'ont pas osé faire. On viendra, Inch'Allah. Le voyage avec toi ne fait que commencer. Alors, essaye de te rappeler. Désormais, s'il cesse le combat, le conflit, la guerre, tout ce que tu veux, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Par contre, s'il ne cesse pas, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut y aller et tu dois faire attention. Fa'inintahu, s'il cesse. Interpréter le Coran très rapidement, ce n'est pas notre travail, Shakir. Tu dois faire très attention. Allah, dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Waqatilum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din illah. Fa'in intahu fala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. Et combattez-les. Tu vois, Allah, donc on a commencé avec le 189, 190, 180, 191, 92 et maintenant 93, 193. Tu vois, dans chaque verset, Allah il met l'accent sur le mot Qatilouhum, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zizanie et que la religion. Dans un autre verset, dans plusieurs d'autres versets, Wayakunu ad-din kulluhu, tout entier. Mais là, et que la religion soit à Allah seul, s'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Fa'in intahaw fala udwana illa ala dhalimin. Tu vois? Tu vois la justice d'Allah? La justice d'Allah veut que. On combatte les méchants, comme toi par exemple, de les dénoncer, de les démasquer, jusqu'à ce qu'ils cessent. Jusqu'à ce qu'ils cessent. Tant que tu n'as pas cessé de modifier la parole d'Allah, on ne cessera pas. Alors le verset qui vient après, le 194, est là. Ash-shahru al-haram bi-shahri al-haram wal-hurumatu qisas. Tu vois, même le combat, il a sa valeur, il a beaucoup plus de valeur au moment du mois sacré. On sait que dans les mois sacrés, par exemple, il y a cette béatitude, il y a ce calme, cette tranquillité d'esprit. Normalement, les gens, ils sont calmes. Ce sont des mois qui sont connus d'abord par les idolâtres. Pourquoi? Parce que ils ont été tout le temps. Des périodes, c'était des mois, c'était une période connue par les monothéistes depuis Adam jusqu'à le prophète Mohammed. Et même les idolâtres de l'époque, ils respectaient ces mois, parce que c'était l'opportunité de faire des affaires, de travailler, de voir les alliances, de faire des alliances, de renouveler des alliances pour faire des pactes, etc., de signer des pactes. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui. Et là, la transgression, c'est tout simplement, ça rentre dans la loi de talion. Si quelqu'un vous frappe, ben, il y a certainement une justice. Si quelqu'un vous attaque, ben, il faut tout simplement étudier, il faut être stratège, il faut lui faire goûter de la même manière. Et ayez de la piété envers Allah, tu vois? Ça veut dire, quand on a la piété, quand on craint Allah, quand on est pieux, ben forcément, on risque pas de tomber dans l'injustice, même avec les injustes. Ça veut dire qu'on applique avec ces gens, même s'ils sont méchants d'ailleurs, comme Pharaon, lorsque Moïse et Aaron ils sont partis chez lui, ben qu'est-ce qu'Allah leur avait demandé? Il sait que Pharaon, il s'est autoproclamé Dieu. Ben, il leur avait demandé de lui parler gentiment. Mais toi, non. Tu vois? Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui. Voilà. La loi de talion, elle est là. Et toi, tu veux que si jamais quelqu'un nous frappe avec du phosphore blanc, ben, qu'est-ce qu'on fait? On l'applaudit. On joue à la PlayStation, c'est ça? Hein, on lui fait des pouces vers le haut, vers le bas. Vas-y, fais-toi plaisir, fais un effort. Fais un effort et on verra si vraiment, comme tu dis, tu es un Mike Tyson du coranisme français. On va voir.
un Mike Tyson du coranisme français. On va voir. Alors, ce verset, ça te dit quelque chose? De Sourate Tawba, la repentance, ou le repentir. Ya ayyuhalladhina amanu qatilulladhina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Oh, vous qui avez cru, combattez ceux qui sont les plus proches de vous parmi les négateurs, et qu'elles trouvent en vous une dureté. Et sachez qu'Allah est certes. Tu vas nous dire, non, mais Allah, il veut à ce qu'on fasse le djihad de la parole. Ouais, pour les petites, on va dire, les petites robes roses comme toi, oui, pourquoi pas. Mais pourquoi tu falsifies la parole d'Allah? Allah, il dit qatilo, qatilo. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire qatilo? Tu as deux combattants, l'un en face de l'autre. Ça dit quelque chose? Je te fais un dessin? Mince, Shakira. Faut qu'on fasse des dessins comme dans un jardin d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas l'arabe? Qatilo, ça fait quoi? Qatilo, c'est pas qatilo avec la parole. Qatilo, c'est avec des épées. C'est avec des armes. Les Américains viennent chez vous, par exemple, en France. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je te pose la question. Tu fais quoi? Ah oui. Tu vas te cacher. Les Américains, c'est pas coronavirus, Shakira. Shakira. Les Américains, c'est pas corona. Hein? Allez, on va te faire une machine pour traverser le temps. On va te faire remonter au temps de Hitler. T'allais faire quoi? T'allais solliciter être le traducteur près de Hitler? T'allais faire quoi? T'allais faire chauffeur de bus dans un camp de concentration? T'allais faire quoi? Dis-nous. Tu vois? On démonte ton raisonnement, enfin ton pseudo-raisonnement, juste en parlant comme ça, tu vois? On aurait pu dialoguer autrement. Mais tu tapes la honte, Shakira. Ô vous qui avez cru, combattez ceux qui sont les plus proches, tout simplement jusqu'à la fin. Alors, Sourate Saf. Je t'ai pris cet échantillon. Attends, je vais retourner un peu. Voilà. Alors. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tu fais partie de ces gens. Ya ayyuhalladhina amanu. Tu vois, ô vous qui avez cru. Donc tu dois savoir que dans le Coran, il y a une énorme différence entre les croyants, ceux qui croient et ceux qui ont cru. Ce sont trois termes. Trois terminologies. Apparemment, tu ne fais pas la différence. Tu mélanges, j'ai remarqué ça, tu ne fais pas la différence. Alors, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Tu dis, tu te présentes comme quelqu'un qui fait le djihad de la parole. Or, ce qu'on voit, d'ailleurs, il n'y a pas à se cacher, même un enfant, il peut comprendre ça. Ce que tu fais de la zizanie. Ça veut dire que tu es en train de polluer. Ça veut dire que tu es en train de ne pas faire découvrir des vérités, mais tu es en train de camoufler le camouflet. Au lieu d'abord de se positionner sur de bonnes bases, tu pars d'un faux constat et tu te bases sur des fausses constatations et de fausses remarques et des fausses travaux tout simplement. C'est tout simple. Pourquoi? Parce que tu es encore dans ce moule, comme je te l'avais dit l'autre fois dans la deuxième vidéo. Tu es en train de te présenter comme quelqu'un qui veut montrer, soi-disant, de dénoncer les mensonges. Or, ce que tu es en train de faire, tu es en train de copier-coller des paroles qui sont prononcées à droite à gauche, sans bien entendu les faire revenir, et de faire revenir les citations à leur propriétaire, parce que quelqu'un qui se présente comme un chercheur, au moins, je dis au moins, tu auras pu, par exemple, toi, le chercheur, tu auras pu, par exemple, remonter dans les travaux des savants, par exemple, il y a une minorité des savants sunnites, il y a aussi les partisans de Ahl al-Bayt, les chiites,
qui ont prononcé des choses beaucoup plus claires, ce que tu es en train de relater. Mais tu vois, on voit que tu triches, tu copies. Tu vois, quand tu fais de la contrefaçon, ta marchandise, elle est pas complète. Ton travail, il n'est pas complète. À chaque fois, tu fais des vidéos de 5 minutes, de 10 minutes, d'un quart d'heure, 20 minutes maximum. Il n'y a rien. C'est du réchauffé, de la répétition, et c'est toujours la même chose. Alors, ce verset, j'aimerais bien que tu le prennes en considération parce qu'il va nous accompagner dans la plupart de nos versets. Le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 4 et le verset 5 de la même sourate, sourate Saf. Et d'ailleurs, ça s'appelle Saf. Saf, c'est quoi? C'est le rang. Hein? Ça dit quelque chose, le rang? Non, pas le rang. Hein? Le prénom, le rang. L-E, espace, R-A-N-G. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang. Tu vois? En rang. Serré. Ça, ce sont des termes. Tu vois l'image? C'est militaire. Pareil, un édifice renforcé. Et tu vois, c'est pas que chacun dans son coin. Toi, tu dis, tu es tout seul, tu fais ton djihad parce que tu t'es présenté comme un moudjahid. Je te déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que tu vas te faire gommer tout seul. Parce que le loup, il ne prend que les brebis égarées. Il faut rester avec le troupeau. Pas le troupeau comme vous essayez de faire comprendre. Non. Le troupeau dans la langue arabe, ça veut dire, il y a une assemblée. Il y a une assemblée, soit d'individus, soit d'animaux. Mais nous, ici, ce verset, pardon, alors nous parle d'un édifice. Il y a un édifice pour qu'il soit renforcé. Il y a plusieurs fondements. Il n'y a pas qu'un seul fondement, il y a plusieurs fondements. Il y a les portes, il y a les cadres des portes, il y a les fenêtres, il y a les fondements, il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage, il y a le deuxième, s'il y en a un deuxième, un troisième. Donc l'un vient pour renforcer l'autre. Ça s'appelle un édifice. Or, ton projet à toi, il tiendra pas si jamais il n'y a pas un édifice. Et à chaque tête d'édifice, il y a une tête, il y a un guide. Il y a un guide. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi vous maltraitez, vous alors que vous savez que je suis vraiment l'envoyé d'Allah à vous? Puis quand ils divièrent, Allah fait divier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Tu vois? Moïse, on le sait, lorsqu'il préparait sa confrontation, si on peut appeler ça, avec le tyran de son époque, ben, d'abord, il a essayé de rafraîchir la mémoire spirituelle des enfants d'Israël, ce qu'on appelle les Bani Israël, pour les faire renforcer, pour les rendre beaucoup plus forts tout autour de lui, sachant que la trahison, certainement, ne vient que de l'intérieur, comme tu le fais. Et d'ailleurs, Allah, il nous le demande, il faut combattre dans le chemin d'Allah. Pareil comme si nous étions dans un rang serré. Donc, ce verset nous rappelle, nous les musulmans de maintenant, il faut qu'on soit coude à coude. Il faut qu'on soit soudés. Alors, tu vas me dire, les musulmans, ils ne sont pas soudés. Ben, c'est tout à fait normal, parce que ça fait des siècles et des siècles que l'humanité existe sur cette terre. Et que forcément, ils seront jamais unis. Pourquoi? Parce qu'il y a chaque région a ses spécificités, chaque tribu, ouais, chaque pays il a sa langue, il a ses spécificités. Tu dois le savoir. Donc les spécificités font à ce qu'il y a de la différence. Mais si tu as un guide, et d'ailleurs on viendra un jour sur cette histoire de guide, ou bien d'imam, ou bien le faux guide, ou bien le faux imam, on y viendra, Inch'Allah, pour vous montrer l'importance d'un guide à la tête d'une société. Chose que j'ai remarqué que bah, vous, les pseudo-coranistes, vous ignorez totalement. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, encore, donc moi je t'ai pris une dizaine de versets. Sinon, t'as le Coran, il est rempli, 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 rempli. Le verset 10 et 11,
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Tu vois, je t'ai marqué en rouge le mot هل أدلكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ça veut dire, il doit y avoir quelqu'un qui t'oriente, qui te guide vers une affaire qui va être bénéfique pour toi. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce ou une affaire qui vous sauve?